On a de la September Rouge qui est de la petite pomme. Si vous avez des petits enfants, là, pour les boîtes à lunch, là, c'est comme idéal. Alors, vous allez les voir, c'est des herbes. Okay. Il y en a à la tonne. Je vais goûter à la Honeycus. On va tricher un peu. Tu t'es pas oublié. Non, je te promets. J'étais tout petit, j'ai dû avoir 4-5 ans quand les premiers pommiers ont été plantés. Mais c'était seulement qu'une douzaine de pommiers que mon père avait plantés ici. C'était avant qu'on construise la maison, puis évidemment avant qu'on pense éventuellement faire de l'autocueillette ou même à appeler ça un verger. Donc là, on a planté davantage, on a planté une centaine. Puis ensuite, s'en sont suivis là, des nouvelles parcelles qu'on a. Donc là, on est monté autour de 300, 350. Puis donc là, vraiment arrivé à une masse critique de pommiers qui était suffisante pour l'autocueillette. Maintenant, on pêche. Avant, on faisait une fois à la fois, on voulait. À la fin de la saison, on va être capable d'élever les deux. Mais là, ah oui, c'est ça. Ça fait des belles petites pommes pour les lunchs. Elles autres sont pas prêtes ici. Non, elle est dans le sac. Non, elle a baqué. Oh, elle a déjà baqué dedans. C'est une fille de petites pommes. Le bouche à oreille a fait son œuvre, puis on est devenu très connu dans la région, puis les gens ont commencé vraiment à nous dévaliser. Là, on se rend encore à ce jour, on a plus de pommiers qu'on en avait, puis ils sont plus productifs, mais on se rend quand même pas au mois d'octobre comme les gros vergers peuvent le faire parce qu'on manque de pommes, ce qui est un excellent, un beau problème, on s'entend. Il y a tous les ans, on vient cueillir nos pommes, puis on vient voir toutes les petites gâteries qu'ils peuvent nous offrir, soit du cidre, des petites gelées, tout ce que vous pouvez penser en pensant à pommes. Puis, à peu près une dizaine d'années, on a commencé à songer à faire du cidre, qui est rendu une opération là, majeure pour le verger. On a commencé dans le sous-sol de la maison, là, encore une fois, de façon très artisanale, à y goûter. Je dirais les premières batches, on n'en a pas gardé parce que c'était pas bien bon. Mais ça aussi, on s'est professionnalisé, on a acheté de l'équipement, on s'est renseigné sur le sujet. Là, maintenant, on a une gamme de cidre dont on est très fier, qui vend très bien. Puis c'est rendu là, une part majeure de l'entreprise. Je pense que je vais te prendre un cidre de glace, puis je vais goûter la Louise aussi. Ah, oui, oui. Oui, oui. C'est très bon. Moi, j'ai jusqu'à 15 ici. Il fait. Les filtres font la job actuellement. Celui que je suis en train de faire actuellement. C'est la première filtration qui était dans cuve 22, qui tombe dans cuve, qui est à 9%. Alors, je marque un soutirage difficile, qui a quand même bon goût. Alors, ça, ben, je peux pas tricher ça. Là, tricher ça, c'est de me tricher moi-même. C'est qu'il faut que je sache exactement où est-ce que j'en suis. Le terroir val-gatinois en matière de pommes est inconnu. On défriche. On colonise la pomme dans le coin. Même chose pour le cidre. Donc, on fait des produits qui ne goûtent pas nécessairement pareil que ce que les gens peuvent être habitués de goûter dans la région de Montréal ou dans la région d'Ottawa. Donc, on cultive beaucoup le terroir val-gatinois pour essayer d'établir un nouveau marché d'une part, mais aussi un nouveau goût, que les gens s'approprient le goût de la vallée de la Gatineau, donc ce qu'on est capable de mettre en bouteille. Nous autres, on va l'essayer cette année. Mais c'est bon. Ça fait comme une alcool? C'est une alcool qui est à peu près à 25%, mais au goût de la Dolgo. De cette petite pommette-là. Mais c'est bon, c'est très. Tu ne goûtes pas à boisson partout. 25%, 24, 23%.
Il va falloir que tu en prennes 3-4, puis ça se voit comme rien. Hein? Le rêve original, c'était de faire de l'alcool. Donc, le cidre a été la première étape qu'on a atteinte il y a quelques années. Là, on commence la distillation. On est fous, là. On a bien du plaisir avec ça. Mais donc, ce qu'on essaie de faire, puis ça fonctionne à merveille. On l'a fait l'année dernière, première année de test dans des petites bouteilles. La Poire Williams. On installe la bouteille au printemps dans l'arbre. On entre le bourgeon floral dans la pomme. Et puis, la pomme, elle grossit au fur et à mesure de l'année. Elle rougit comme toutes les pommes dans le pommier, mais à l'intérieur de la bouteille. On s'apprête incessamment à aller les cueillir. Donc, on va couper la tige. La pomme, elle reste à l'intérieur de la bouteille. Et là, on va remplir cette bouteille-là avec de l'alcool. C'est la région native de mon père. J'adore y revenir. Puis, j'y viens depuis que je suis tout petit. Et le soutien de la communauté par rapport au verger est tellement valorisant aussi. Les gens ont adopté le verger comme étant leur verger. C'est rendu une tradition. Ils amènent leurs amis, ils amènent évidemment les enfants lorsqu'ils viennent au monde.